Hey, on vous retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo où on va analyser bien évidemment vos TikTok, les plus paranormaux, les plus creepy, les plus horrifiques qu'on ait pu trouver. Et bien sûr, attention, il y a aussi beaucoup de fake. On va voir un petit peu ensemble, on va essayer de démystifier le vrai du faux. C'est parti? Go! Allez. Ok. What the fuck is that? D'accord, là on voit quoi, une corne? Oui. C'est carrément de la merde. Ouais, pour moi c'est fake là. Ouais, mais c'est quoi ça en fait? Donc en gros, la vidéo elle a fait 354 200 j'aime. Rien que ça. Sous le hashtag paranormal. Et en fait, ça a tellement marché, mais en fait, on est sur un espèce de, ouais, de site touristique. En fait, ouais, c'est les ça. Gens viennent visiter quelque chose, ça ressemble vraiment à un truc où tu vas visiter un château ou tu ouais, vois, un espèce on dirait une petite balade, ouais, pas mal voilà, de choses, tu vois. Effectivement. Et effectivement, donc là, t'as une meuf tout d'un coup qui sort avec un espèce de maquillage bleu assez dégueulasse et des cornes en carton. What the fuck, c'est quoi ce truc en fait? Ouais, c'est un peu mal fait pour ma part. Comment, expliquez-moi juste comment ce genre de contenu peut autant marcher sur TikTok? La curiosité, parce qu'en fait, on la voit quand même. Bien plus tard, donc déjà on se dit bon, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo, donc on a envie de suivre la vidéo. Mais c'est une putaclic alors, c'est du putaclic ça, tu vois ce que je veux dire, c'est... C'est une putaclic. Bon, bah première vidéo c'est un échec, ouais, nous ne validerons absolument pas. Non, clairement. Déjà, juste le fait que la nana, tu vois, elle s'est planquée là comme ça pendant je sais pas combien de temps, tu vois. Franchement... Appelle pas psychopathe. Et j'arriverai pas à faire ça pour non. faire ma vidéo. Parce qu'il y a plein de touristes qui doivent la regarder comme ça, genre... Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, c'est nul. Bon allez, on passe à la vidéo suivante. Allez, go. Donc là, on a un mec qui danse. On voit clairement que son reflet n'est pas du tout en train ah, de reproduire oui, oui, les d'accord. mêmes choses. J'avais pas capté tout de suite, ouais. Bon, après les trucs comme ça, il y a beaucoup de filtres en fait où on peut justement recréer des. Ouais, en fait, et même moi, franchement, je fais pas du montage de fou, mais genre même sur CapCut, oui, tout ouais. simplement, genre tu peux diviser ton image en voilà, deux. C'est ça. Il suffit de. Le mec il danse sur deux images voilà. superposées, en fait, il suffit de pas aller vers la trame découpée pour pas qu'il y ait un bout de son corps qui voilà, soit découpé. Exactement. Et après, il refait x2 la même danse qu'il connaît par cœur et il sait à quel moment il va changer le voilà, truc en fait. C'est ça. Je trouve ça complètement fake. Et là, on est sur une vidéo qui a du 228 300 vues. Enfin, 300 quand j'aime. Même. Je sais même pas ce que ça doit être des millions en vues, mais en tout cas, en j'aime, on a 228 000. Enfin, ouais, c'est quand même énorme. Pour ça, quoi. Ouais. Mais ouais. c'est terrible. mais c'est terrible. Bon, le gars, il a réussi son truc, en fait. Oui, hein. ah il oui, a bah fait clairement. Une vidéo putaclic. Il a réussi. Ouais. Ça a marché, en fait. Hein. Ouais, clairement, ouais, clairement. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il a mis le petit truc, là, la petite animée, là, qui pleure, ouais, il monte bien. Oh mon dieu, regardez ce qui se passe. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, il a géré quand même. Ok. Bah ouais. Vous êtes bien fait avoir, hein, bravo. C'est vraiment ça. C'est nul. Oh mon dieu, j'espère qu'on va tomber sur des trucs meilleurs que ça parce que toute cette vidéo va être horrible sinon. Allez, c'est parti. Wow. Ah oui, alors ça me fait vraiment penser à la première vidéo qu'on ouais. a vue avec le mec dans ouais, son lit ouais, là son en fait. Lit, ouais. Bah là, en fait, moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est oui. que déjà on a l'impression qu'il fait une espèce de figure de hip-hop. Tu vois? Donc, alors je me demande si la vidéo elle a pas été coupée à un moment donné. Il fait sa figure de hip-hop, sauf que la figure de hip-hop elle a été mise en arrière. Et du coup, ça fait un espèce de truc. Mais attends, tu veux dire que le mec qui aurait prévu la vidéo, il aurait fait donc. Il se serait soulevé et il serait reparti courir en arrière? Non, en fait, il courait en avant. Tu vois, là, c'est la première phase, il court normalement. Ensuite, il coupe la vidéo, elle bouge pas, tu vois, on voit que c'est toujours le même truc. Et je pense qu'à un moment donné, il reprend, il fait sa figure de hip-hop, sauf qu'il l'a. Il vient juste en arrière, Putain, en fait. Bon, on dirait aussi, mais c'est bizarre en fait, on dirait vraiment que c'est bien orchestré, qu'il s'est bien pété la gueule et qu'il s'est bien fait soulever, quoi. C'est possible. C'est bizarre. C'est possible. Ouais. Franchement, moi je suis vachement mitigée sur cette vidéo, en fait, je sais. Ouais, donnez-nous vos avis. Ouais. Là, je sais pas, je suis vraiment. En fait, je suis un peu perplexe. En fait, la vérité, c'est que c'est possible, ouais. mais qu'on vit dans un monde où il y a que des trucages et des montages. C'est chiant en fait, c'est dur de savoir. Ouais. Par contre, cette vidéo, c'est marrant parce qu'elle est beaucoup plus crédible ouais. que les deux premières oui, qu'on oui, a vues, on est d'accord. Non, mais clairement. Elle a fait 26 800 j'aime, ouais. alors que les autres, on est dans les 300 000. Enfin, ouais. alors qu'elle était pour de la merde, ouais, quoi. On est d'accord, ouais. Clairement, c'est du bullshit. Alors que là,
Ouais, on a quand même quelque chose d'un peu plus, un peu plus travaillé, mine de rien. Parce quoi. Que quitte à aimer les vidéos fake pour le plaisir du divertissement, pour l'adoration du paranormal et de l'horreur, ok. Mais dans ce cas-là, pourquoi cette vidéo-là qui a l'air vachement plus dure à réaliser, qui demande beaucoup plus de travail, qui demande beaucoup plus de savoir-faire, pourquoi cette vidéo-là elle est moins vue et moins aimée que les deux trucs de merde qu'on vient de voir juste avant en fait. Je suis d'accord. C'est fou. Ouais. T'imagines le travail réalisé sur cette vidéo? Enfin, je sais pas. Non, mais je suis d'accord avec toi, ouais. Je ne comprends pas la communauté TikTok. Des fois, vraiment, je comprends pas. Il y a rien à comprendre. Et bah, moi, je mets un j'aime, voilà. Je soutiens. Ok. Ouais, t'as bien fait. Je soutiens plus que les autres. Voilà, clairement. Allez, on regarde la suite. Go. Ah oui, alors ça, il y a écrit documentaire BBC. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, parce que finalement, il y a tout qui... Oh, attends, donc là tu vois qu'en début de vidéo elle s'est fait jeter donc un truc dessus. Oh. Ah, il y a la couette, a volé, la couette qui s'est soulevée, qui est retombée, mais la mère les cherche. Et donc t'as l'ampoule qui explose. Bah déjà, ce que j'aime beaucoup dans cette vidéo, c'est que c'est un documentaire. Attention, attention, à la télé aussi, on a du bullshit. Voilà. Mais j'aime bien le fait que ce soit un documentaire BBC, ça c'est cool. En plus, ça a l'air d'être des vieilles caméras, regarde, 1992. Ouais, c'est ça. Et à l'époque, 1992. Et à l'époque, il y avait moins de merde quand même en termes de trucage, tu vois, il y avait moins de conneries en termes de trucage. Et là, ça me paraît plus solide. Ouais, je suis d'accord avec toi. Une vidéo d'un TikToker. Même le fait que l'ampoule a explosé, c'est pas quelque chose que tu peux vraiment. Je sais pas, je m'y connais pas. Après tout, les films le font bien. Oui, finalement. C'est vrai. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Dites-nous en commentaire si vous savez comment on fait exploser des trucs comme ça. Ouais, ouais. Moi, je sais absolument pas. Alors, est-ce que vraiment en documentaire, ce serait servi surtout de technique cinématique? Surtout que c'était en années 92 quand même. Hein, donc, faut voir après les moyens qu'ils avaient eux aussi à cette époque-là. Je me sens très vieille quand tu. Non mais voilà, c'est la technologie, il faut dire ce qui est, on avait rien à l'époque. Hein, Mais en tout cas, c'est ce qui fait que je trouve qu'un documentaire de l'époque, c'est vachement plus solide qu'un TikToker aujourd'hui avec les moyens technologiques d'aujourd'hui, les montages et tout. Je vois pas, si maintenant dans la prochaine vidéo on trouve d'autres parties, on la passera. Peut-être qu'on trouvera même le documentaire en entier, ça pourrait être très intéressant. Ah, c'est génial ça, ouais. Ça pourrait être très intéressant qu'on regarde le documentaire en entier. On verra si on trouve ça, ça serait vraiment cool en tout cas. Hein. Ouais. Mais... Allez, pour cette vidéo... Moi, franchement, j'ai envie de dire que c'est vrai. Ouais, il y a quand même quelque voilà. chose c'est ça. D'authentique. Ça fait plus authentique, c'est ça. Exactement, on est d'accord. Bon, allez. Go. Ah, il y a Annabelle aussi. Tu as vu, tu n'es pas une version niche dans cette vidéo. Enfin, quoique, hein. C'est bizarre la prendre de son corps. Donc attends, on rigole, on n'a pas regardé. Donc c'est parti. Ah, il y a quelque chose qui a poussé là. Ouais, c'est ça. Alors en fait, alors là, on a la mise en scène classique du la petite fille blonde qui se trémousse en premier plan et à l'arrière, il se passe quelque chose d'horrifique. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que quoi ? Déjà, elle a mis Annabelle en fond et comme par hasard, il se passe un truc à côté d'Annabelle. C'est donc ça. Je pense qu'elle veut essayer de donner le change en mode moi ma vidéo c'est de la danse. Alors qu'on sait très bien que sa vidéo c'est Annabelle en fond qu'il faut regarder. C'est ça, exactement. Et on voit très bien que c'est pas la poupée Annabelle en fait, on qui voit a poussé le coussin. La poupée. Ouais. Mais c'est ça en fait. On voit le coussin qui bouge. J'ai un petit coussin bleu à côté. Il y a eu un à-coup qui venait déjà de là. En fait, ça vient pas de la poupée. C'est totalement une mise en scène. Ce qui aurait été super dans cette vidéo, c'est qu'elle prenne directement la caméra et qu'elle filme sa pièce. Ouais, tu vois, mais bien sûr. Là, ça aurait été super quoi. Mais c'est du bullshit. c'est fake, bien évidemment. Non, c'est fake pour moi. Après, elle a pas mis dans les hashtags hein, comme quoi c'était fake, comme quoi c'était une blague et tout. Elle a laissé un truc sérieux, hashtag terror, paranormal, Halloween, Annabelle. Ouais, effectivement. Elle est dans le sérieux. Mais j'ai bien aimé le Chucky aussi derrière. Alors, je sais pas, aimé Chucky. Est-ce qu'il y a un truc Chucky? J'ai pas fait attention. Là, dans le miroir. Hein. Ah, d'accord, ok. Voilà, on le voit très peu, mais. Mais en fait, on le voit au tout début. Voilà, au début. Là, ouais, je pensais qu'il y avait quelque chose d'autre avec Chucky. Bah non. Ok, bon. Ouais, c'est vraiment une ça, vidéo. Ça, c'est comme les deux premières vidéos. Ouais. Hein. Clairement. Voilà. Et elle a fait du, attention, 319 400 j'aime. C'est pas rien. Avec cette vidéo. Ouais, c'est pas rien, franchement. En fait, c'est ce qui marche ou pas avec vous. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie, on sait pas. C'est incroyable, ça. Ça marche, les putaclics, décidément. C'est incroyable. Ah, mais ça marche plus que les vraies vidéos. Attends, excuse-moi, je regarde C'est juste. Vrai. Ah, le BBC documentaire a quand même fait 168 000 j'aime. Ouais, ouais, c'est on pas mal. Pas vu ça, bon. Mais elle a fait plus avec sa petite danse, ouais, ça, bon. Bon, ok. Voilà. À chaque fois, c'est marrant, mais... C'est quand c'est spontané et non travaillé que ça marche le mieux, ouais, c'est bizarre. Mais les gens qui fournissent des sacrées vidéos travaillées, ça marche un peu moins. Un peu moins, c'est vrai, je suis d'accord. Cette génération d'aujourd'hui, je. C'est vrai. Bon, allez, vidéo suivante. Go. Mon chien, le mec me réagit calmement.
Ok. Elle était pas rassurée, là. Alors, on va la regarder bon. De nouveau. Donc là, on n'a pas la vue sur le bas de la porte. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que c'est assez... la pièce est assez éclairée. Donc, juste, la pièce est assez éclairée. C'est et vrai. Je pense que s'il y aurait un fil transparent, on l'aurait vu, non? Peut-être. Là, avec une telle lumière, j'ai l'impression que sur la poignée, si on nous raccrochait un fil, avec le mouvement de la porte, franchement, je même pense qu'on verrait un peu, quoi, peut-être. Avec les ombres c'est et possible, tout. Là, ouais. On voit rien. Avant qu'après, ça a été travaillé aussi. Ça, peut-être qu'il y a une accroche en bas. Imagine, tu voilà. mets simplement un crochet, un crochet sur en la bas, porte en bas, et tu tires en bas. Hein, oui, oui. Parce qu'on voit pas avec le lit le bas de la porte. Oui, tout à fait. Le chien. Le chien, il est pas très effrayé. Analysons le comportement du chien. Il regarde juste. Il aboie pas, il pleure pas, il fuit pas. Il est choqué, effectivement, de voir la porte se fermer. Mais comme parce ça, que lui mais... aussi, lui, s'il y a un fil qui tire la porte, il est ouais. pas au courant, bien sûr, il va regarder. Bon, oui, ça il... le choque, mais sans plus, en mais fait. Mais il n'y a pas de cri, c'est pas comme s'il ressentait... On voit qu'il ressent pas une présence, tu vois ce que puis je veux dire. La nana aussi, un peu, comme elle part, tu sais, ah on sent ça un peu de la comédie. Réagir, ouais, c'est ça. Regarde. Je sais pas, c'est marrant parce que quand tu regardes la séquence, ouais. il se passe ça, et dès que la caméra elle est sur elle, elle réagit, ouais, mais elle réagit ouais, pas avant ça, en fait, ouais, hein, c'est ça, exactement. Moi j'ai l'impression que j'aurais fait oh ouais. déjà pendant que les trucs elles se fermaient, tu ouais, vois. C'est ça, même là à la place de la personne qui filme, j'aurais rebondi Julie. Ouais, parce oh, que la oh, personne oh, qui filme, elle rigole en fait. Bah ouais. Non, c'est pas fake. Possible. C'est pas possible. Fake, j'en suis sûre. Ouais, c'est ça. Et quand tu regardes les hashtags, il y a pas écrit comme quoi c'est un prank ou un fake. Hein. C'est pas écrit. Tu traduisais la façon dont la porte hésitait à se fermer me ouais. ferait sortir de là. Bah t'es pas sortie, meuf. En fait. T'es restée en train ouais, de rigoler ça. À filmer. C'est donc ça. Je. Non, non. Non, non. Et regarde le nombre de vues, hein. Déjà, ah non. Voilà, alors là, je pense que là, c'est la plus... De toutes celles qu'on vous a ouais, montrées, elle ouais. est à 650 700 j'aime. Alors, c'est j'imagine énorme. Même pas en termes de vues. Ouais. C'est une vidéo toute simple qui a dû être très facile à réaliser. Ouais, c'est vrai. Voilà, tu vas au magasin en 2€, t'achètes un crochet avec oui. un lien. T'as même pas besoin de faire un trou dans la porte, tu prends un fil de pêche et voilà. Ouais, c'est vrai, c'est assez simple pour le coup, ça, ouais, je suis d'accord. Tu mets un animal dans la vidéo pour que ça fasse un peu plus authentique et ouais. voilà quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Vous aimez beaucoup le putaclic, hein. Mais c'est faux. Pour moi, c'est clairement faux. Ouais, c'est les faux, réactions clairement. Ne sont pas authentiques. Il y a un problème là. Hein. Il y a, ouais, y a un réel truc. Problème de réaction, hein. Même ouais. au niveau du chien, pour vous dire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que le chien. Lui... J'y crois pas. Moi, c'est juste la façon. Dont... Enfin, le fait qu'elle bouge pas, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu vois une porte se fermer, par curiosité, ouais, j'ai mais... l'impression que j'irai quand même filmer derrière, voir si je vois quelque chose ou. Tu vois, enfin, je sais pas. Bah, dites-nous ce que vous en pensez, vous. Hein, parce ouais, que, n'hésitez voilà. pas à nous dire pour chaque vidéo. Voilà, mon premier instinct, c'était que c'était ouais, trop. Ouais, je suis d'accord, bon. Pareil. Allez, on regarde la suite. Allez, suivante. Ah, elle m'a dit quelque chose, celle-là. Ouais. Elle est très connue, celle-là, non? Ou alors, ça a déjà été plein de fois fait. Aussi. Parce que je crois que même sur la chaîne Cocktail de frissons, je crois que j'ai déjà vu des vidéos. On est d'accord, avec, c'est ça. Voilà, Cocktail des trucs de frissons, ouais, c'est ça. Ça a bougé déjà là ? Si, si, I fucking don't know. Ah, non, mais non, un non. petit peu, ouais, d'accord. Donc là, il tombe tout seul, ah, le truc. Elle... Hein. Bon, là, on a une réaction plus authentique parce que déjà, le gars, il se barre. Ouais, il se barre, clairement. Il se barre, ouais. Donc c'est déjà ça. Et là, par contre, par rapport à l'angle de vue, comment ouais. est-ce que tu réaliserais ce fake ? Si maintenant, c'est fake. Comment est-ce que tu ferais pour faire bouger ça ? Bah, moi, je pense que tu peux le faire grâce à des fils. Comme avant. Mais ça vois. Se verrait pas là, avec toute la lumière qu'il y a au-dessus. Je sais pas. Et moi je sais pas si j'oserais faire une vidéo fake avec le fait, du c'est fil que tu vois, c'est vrai qu'il y a personne là. Ouais, il y a personne là de côté. Ici peut-être qu'il aurait pu avoir quelqu'un, mais le fil il se verrait là effectivement. En fait, le mouvement, moi ce qui me dérange. Oui, c'est vrai que le mouvement il est truc, très. Il faudrait que la personne soit finalement plus dans le sens de la personne qui filme. Ouais. Parce que le fauteuil se retourne en ouais, fait. C'est bien fait. Si quand maintenant même. T'as une personne en face derrière les espèces de piles de chaises qui ouais, va tirer ouais. un fil, ouais. bah logiquement on est d'accord qu'il est censé partir en avant tout simplement. Parce que là en fait on voit bien les roues en fait. Hein, c'est ça. On voit les roues comme qui ça. Tournent. Donc t'as vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait comme ça avec la main sur le côté quoi. Mais c'est ça. Parce que je comprends pour conduire un fauteuil, enfin moi j'ai déjà testé avec les fauteuils pour rigoler des choix. Oui, oui. Dans les hôpitaux quand j'étais plus jeune et je me souviens qu'il fallait quand même une force hein. Ouais, c'est alors vrai, du hein. coup je me dis même pour tirer avec un câble c'est que ce soit un câble quand même. Attends, c'est bien. Vrai que c'est lourd ça en plus oui hein. oui hein, c'est métallique et tout c'est roux c'est roux hein, dis donc. Pour moi c'est réel en fait. Ouais, pour moi c'est vrai parce hein. que pour moi le fake quand tu regardes au début de la vidéo il aurait fallu qu'il y ait une personne en face qui tire c'est ça exactement mais finalement ouais. quand elle fait demi-tour il aurait fallu que la personne soit derrière un peu une des portes bleues ouais. tu vois. Ah oui non mais en fait pour c'est quoi ce je bug? Je sais pas. Arrête. Pour reproduire en fait oui. ce mouvement, je trouve que c'est pas évident. Ouais. Ah, je suis trop partie. Je suis fatiguée, moi, j'y arrive pas. C'est une horreur.
Désolée. Vas-y. Ok. Vas-y. Donc je disais, ouais, pour reproduire... Arrête. C'est le Covid qui est monté en nous. J'arrive plus. C'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Faut qu'on se calme. Voilà, regarde, tu vois, c'est juste la route derrière qui a bougé. Ouais, c'est ouais, ouais. Il y a l'autre, elle a pas bougé celle-ci. Pour, on dirait vraiment que t'as une entité dessus, en fait, qui fait le mouvement, mais on dirait pas que c'est un fil transparent qui fait le truc, en fait. Pour moi, c'est pas du fake. Et bizarrement, tu vois, celle-ci, elle a que 2097 vues. J'aime. Voilà, ouais. Mais, donc c'est quand même bizarre pour que... moi cette vidéo elle est bien plus solide. Ouais. Elle vaut mieux que ouais, elle vaut, le gars qui ouais. danse et tout là. Ouais, enfin... je suis d'accord. Ouais, ouais, ouais. Oh, je parce que comme dit encore une fois la façon dont la roue elle est partie, ouais. c'est ça bah, qui moi je mets un j'aime à cette vidéo. Oui, parce t'as bien que fait, elle mérite ouais. plus que les autres hein, d'ailleurs, hein, je trouve. Oui, c'est vrai. Dites-nous ce que vous en pensez comme d'habitude. Allez, on passe à la suite. Allez. Alors c'est peut-être la même personne. Ouais, on est au même endroit. On est toujours dans un hôpital abandonné. Il y a des orbes là, hein. Ah, de ouf. Il y a des trucs de fou qui passent devant la caméra. Alors, il y en a certaines, on dirait un peu de la poussière, mais il y en a d'autres qui étaient un peu plus lentes. Ouais. Quelle chance, un hôpital abandonné, c'est génial. Oh, attends. Et là, il y va direct, ça j'adore. Ah, j'aime bien, ouais. Y a personne. J'aime bien le fait qu'il aille voir directement dans les pièces, ouais, c'est pas mal. Alors, déjà, par rapport aux orbes. Oui. Bon, alors on voit effectivement que des fois c'est des petites poussières avec la lumière, on voit que ça vole d'une certaine façon. Mais si on regarde bien dans la vidéo, on voit qu'il y a des moments où t'as de la lumière qui part ouais. et on a une espèce de traînée. Ouais, tu vois, c'est qui traîne derrière. C'est à ça qu'on reconnaît vraiment les orbes. Ouais, je suis en général, on les voit passer lentement, alors que la poussière, ça va. Enfin, c'est oui, très c'est une particule, ça voilà. reste la particule, ça c'est va ça. Pas changer de forme, ça va non, pas ça. Apparaître autrement. Image, alors que quoi. Là, on a vraiment cette particule qui se ouais. traîne en fait. C'est ça. Non. Et alors pour l'histoire du rideau qui souffle comme ça, oui. moi ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas eu de moment de latence, il est tout c'est de suite vrai. Allé courir, ouais, il est tout de suite allé regarder. Ouais, il a été curieux, en fait il a bien réagi, il a réagi comme nous on pourrait réagir en tout c'est cas. Ça. Ouais. Et ça, c'est ça, c'est, t'aimes bien ce genre de vidéo parce que là, voilà. c'est pas le fake déjà. On se met plus dans le truc en fait. Et là, encore une fois, excuse-moi, mais je vois pas comment tu fais un truc fake comme ça. Non, ouais, je suis d'accord. Comment tu ouvres le rideau s'il y a personne pour tirer avec un fil ? Non, c'est pas possible. Comment tu fais ? Ouais, c'est en plus, vrai. T'as vu, il était dans un truc comme ça. Oui. Il est où le mec qui se cache pour c'est tirer ça, il y a ouais, pas. Pour moi, c'est pas du fake. Hein. C'est complexe. Voilà, la vidéo elle est très complexe et. Vu que je vois pas comment la réaliser. Et elle mérite en tout cas d'être prise au sérieux en tout cas. Et pareil, hein, là, c'est une vidéo qui a fait 2224 j'aime ouais, seulement, très peu, ouais, alors qu'elle est beaucoup plus intéressante grave, que certaines fausses vidéos. Celle-ci est potentiellement vraie, là t'as potentiellement ouais. Des preuves capturées en vidéo du paranormal. Ouais, je trouve qu'elle est vraiment il est pas bien, beaucoup ouais. vu tout ça, alors que quelqu'un qui danse avec un truc qui tombe en arrière-plan, ça fait ouais, des clairement. Centaines de milliers je suis d'accord. De... Enfin en tout cas, n'hésitez pas à aller la voir, dites-nous ce que vous en pensez, ouais. S'il y a des façons où ça aurait pu être faussé. Voilà, donnez vos avis en fait, c'est toujours intéressant de savoir d'autres choses en fait, voilà. Oui, et là, alors on a des vidéos de Spooky Daddies et je pense que c'est une personne qui reprend les oui. vidéos des autres. Alors ouais. si vous savez quel est le youtubeur original qui a posté cette vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ouais. à nous transmettre le lien de la chaîne exactement. Si jamais, ou du compte TikTok, parce que là je pense qu'on a une personne qui reprend les vidéos des autres. Ouais, hein. c'est vrai. Voilà. Ok. Allez, dites-nous ce que vous en pensez et on regarde la suite. C'est terrifiant. C'est quoi, c'est une maison abandonnée? Ouais, il est grand par rapport ouais, à la porte. Dit... Il est super grand. Bah là, on n'a pas le contexte, hein. on sait pas si c'est or. Oh, oh. Et t'as vu comme ça monte? On dirait quand j'étais petite, je faisais comme ça, moi, pour monter les escaliers. Oh, mais ouais. Alors, en fait, moi, j'ai déjà vu des vidéos. Enfin, c'est pas fini, hein. Ah. Donc là, ça s'ouvre, ça se referme. Ouais, d'accord, ok, j'avais mais pas là, tu vois, c'est sombre. Là, on pourrait ne pas voir un câble. Oh, oh. C'est quoi ce zoom là? Oh, il y a quelqu'un dedans là. Ah C'est un visage tout blanc. Ok. Ah, il est moche. Hein. Alors. En fait, moi, c'est l'ombre. Oui. J'ai déjà vu des vidéos où on voyait vraiment des ombres comme ça derrière, enfin les vraies vidéos, hein, je parle, hein, sans trucage. Et oui. c'est vrai que ça ressemble beaucoup à ça.
mine de rien. Okay. En fait, à chaque fois qu'on arrivait à avoir des esprits en vidéo, on avait toujours cette boule d'ombre, en fait, qu'on voit là ici, qui c'est suit ça. Un peu la personne. Ouais. Alors, effectivement, cette boule d'ombre, elle fait très réelle. Ouais. Par contre, moi, ce qui m'embête... Alors, par contre, c'est vrai que ça fait bien le tour des escaliers. Hein. Ouais, donc alors, si c'est faux, c'est bien fait. Hein. C'est sacrément bien si fait, c'est faux. C'est bien fait. Hein. Mais c'est le fait qu'on voit les jambes après. Ça donne un côté faussé, ça, bizarrement. Ouais, moi, je montais comme ça quand j'étais petite dans les escaliers. Ouais. Ça a donné un côté faussé tout de suite, alors, je sais pas. Par rapport à ma propre expérience personnelle, quand j'avais vu une immense ombre, c'était très foncé et ça n'avait pas de forme de jambe. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est la forme en fait des jambes qui me perturbe là. Moi aussi. Après, on peut pas s'avancer jusqu'à dire que tous les esprits pourraient se manifester comme ça à leur façon. Je suis d'accord, bien sûr. On sait pas en fait finalement toutes les possibilités qu'il y a. Moi, je pense que ça reste du fake. Non, pas seulement à cause de ça, mais par rapport à la suite de la vidéo. À cause du visage, hein. Ouais. C'est trop. Ouais, je trouve que ça fait trop. D'un seul coup, tu vois. En tout cas, effectivement, si maintenant c'est vrai, eh bien, c'est une scène qui arrange bien le caméraman. Parce qu'il a mis sa caméra mal. Ah, mais clairement, il l'a posé. Et puis là, il y a le visage. Le gars, il a tout en une seule scène. C'est vrai que si c'est bien pratique. Voilà, bon. Après, je dis pas, c'est possible, c'est tellement dur de capturer en vidéo des fois des trucs. Mais là, c'est facile en fait, parce qu'en fait, on a quelque chose de sombre, on sait pas si c'est réellement une personne qui s'est cachée, qui a ouvert et fermé la porte. Ouais. Il pourrait très bien y avoir un fil qui a ouvert et fermé la porte, parce que c'était un mensonge, je pense que là, on le verrait pas. Effectivement, l'histoire des jambes, plus le visage. Ouais. Voilà. Ouais, pour moi, effectivement, c'est. Je préfère dire que c'est faux parce que je. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, ça fait trop en fait. Et cette vidéo, on est sur du 382 600 j'aime. Ouais. Bon, après, le mérite, dans tous les cas, c'est du travail bien fait, si c'est faux. Si c'est du divertissement, elle est bien faite, on est d'accord. En termes de divertissement horreur, elle est géniale. Elle vaut mieux que quand on voit les personnes qui dansent et tout. En tout cas, en termes de travail, c'est on est d'accord. Pour faire l'ombre. Hein, ouais, on est d'accord. Ça doit être un sacré travail, à mon avis. Hein, comment ils ont dû faire ça, hein, voilà. Voilà, donc oui, ça les vaut, allez, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a d'autres vidéos à voir? Oui. Tell me I'm on fucking crack. Every time I turn off the light. Okay. There's like a shadow there. Watch. Ah oui. Ah, on a une ombre. Ok. Comme dans le noir un peu. Ouais. Ça ressemble vraiment à la scène du film, tu sais. Ouais. Et elle fait que là, regarder. Ressemble à ça. Sauf que dans le film, lui s'approche et dans le film, c'est la silhouette qui s'approche. C'est très sombre. Ouais, c'est sombre. Et là, il est parti, d'accord. Ok. Donc, ça fait vraiment comme dans le film dans le noir, effectivement. Ça... On retrouve la même scène, en fait. Alors, en fait, encore une fois, on est possiblement dans une vidéo où on a une preuve du paranormal, mais malheureusement, c'est tellement possible de le faire en montage. Ça. Ouais. Je le sais parce que j'ai vu plein de TikTok où les gens le faisaient dans des couloirs. Et en fait, le montage vidéo est très facile à faire. Ouais. Donc, effectivement, c'est ça. En fait, tu bouges pas trop, tu fais une autre scène. Ouais. En plus, comme après, c'est dans le noir, on voit pas cet effet de coupure non plus. En fait, tu vois pas la coupure exactement quand il descend l'interrupteur. Après, tu mets l'autre scène. Voilà. Donc, comme c'est tellement possible de le faire en fake, on peut pas avoir un avis objectif sur cette vidéo. Pas, parce que malheureusement, on sait que ça se fait facilement. Même un TikToker peut le faire, en fait, tu vois. Pour moi, c'est fake. Voilà. Oui. Mais malheureusement, c'est possible, hein, après, je sais pas. Mais c'est vrai que la forme a l'air très humaine, en fait. Hein, Ouais, c'est trop comme dans le film, en fait, pour ma part. C'est donc, très défini, le corps humain. Voilà. On dirait qu'il y a un pote qui a fait la vidéo avec lui, en fait. En fait, il était pas tout seul et il s'est amusé, effectivement. J'ai l'impression, hein. Non, 43 300 j'aime, cette vidéo. C'est beaucoup, quand même, Ouais. Bon, elle a bien marché, après, c'est sympa aussi à regarder, ça reste... Et mine de rien, ça demande plus de travail qu'une danse. On est d'accord. En termes de montage. On est d'accord. Ça les vaut quand même. Clairement, clairement. Voilà. Bon, dites-nous à chaque fois, comme dit. Hein. Non, Annabelle, elle est en train de faire sa Elle est en train de tomber sur toi, là. Tu restes là-bas. Elle s'étale sur nous. Argos, tu vois, dans la cuisine. Donc, il descend les escaliers. Ah, donc là, on a un chien qui a crié. Où est le chien? Je sais pas. On dirait qu'il y a quelqu'un qui saccage une porte en bas. Hein. Oui. Qui cogne, qui cogne entend, et qui ouvre et qui ferme la poignée comme ça. Oh putain, il va voir, il a pas peur. Hein. C'est intéressant que t'as le chien qui est derrière. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on entendait le son comme si une personne dévalait l'escalier, mais vers lui, tu sais, tu sens que le son est bien vers je suis d'accord. La caméra, attends. C'était sacrément bien fait. Faut pouvoir écouter le moment, là. Oh my god!
mais là, ouais, c'est on entend abusé. Vraiment quelqu'un qui vient du bas et qui monte. Alors ça fait flipper, mais à la fois, le fait que ça soit sombre, tu vois, on voit pas ce qui se passe derrière. On a donc bah, d'un quand côté, il se retourne, il y a personne. C'est ça. Le fait qu'il ait peur, venir, pas le fait qu'il ait peur, qu'il est en panique, il a même pas envie de voir vraiment ce qu'il y a. C'est ça. Ça montre que ça pourrait être vrai en fait. Alors moi, ce que j'aime bien dans cette vidéo justement, c'est que t'as l'autre derrière qui n'est pas en surréaction, qui est un peu prostré dans son coin. Ouais. On entend un chien, mais on le voit pas malheureusement. Plus, hein. Mais on entend un chien en panique et ça, bon. Après, j'ai envie de te dire, tu peux aussi avoir un chien qui gueule si maintenant quelqu'un veut faire comme ça à une porte sans qu'il ait des ressentis. Oh oui. Moi, j'avais des chiens qui faisaient ça, voilà. Donc clairement, c'est vrai. On peut pas forcément le prendre quand même parce qu'on dit toujours que les animaux ont une espèce de ressenti. Ça aurait été bien de le filmer, tu vois, genre s'il avait aboyé maintenant dans le truc noir comme ça, peut-être que, mais là on le voit pas, on sait pas trop le contexte. Alors en fait, voilà, et justement, ce qui m'embête un peu aussi dans cette vidéo, c'est que finalement, avec du montage, on peut faire des choses, mais pas qu'au niveau du visuel, mais aussi au niveau du son. On entend un chien en panique, mais on ne le voit pas. C'est vrai. Et le son qui court vers la caméra, est-ce qu'on peut pas trouver ça aussi en termes de fichiers audio à rajouter sur la vidéo, tout simplement? C'est vrai. Je pense que c'est possible. Ouais, c'est vrai. Tout simplement. Mais ça veut pas dire que c'est pas vrai, hein. Ça se trouve, cette personne nous a montré une de ses vraies expériences paranormales, hein. C'est tout à fait possible. Bien sûr. Mais encore une fois, au montage, c'est faisable, quoi. C'est vrai. C'est le problème. Et là, on est sur une vidéo qui est du 57 700 j'aime. Rien que ça. Elle a bien marché. Ouais, elle a bien marché. Bon, après, dans tous les cas, c'est du divertissement, c'est sympa à regarder. Alors, ça nous laisse poser des questions, donc j'aime bien. C'est ça. Je regarde toujours dans les hashtags, parce que dans les hashtags, des fois, il y en a qui ne mentent pas, qui le disent très clairement, prank, etc. Oui, c'est vrai. Là, c'est pas écrit à chaque fois. Là, on voit bien creepy, horreur, paranormal, poltergeist. Ouais, paranormal activity, haunted house, TikTok, enfin voilà. On a vraiment ce truc-là, ouais. Voilà. Okay. Faith, no faith. J'arrive pas à savoir, les deux sont possibles. Les deux sont possibles, c'est terrible. Vrai. J'aimerais bien, si c'est des youtubeurs ou des tiktokers, j'aimerais bien avoir leur compte en fait. Hein, ouais, ça pourrait être sympa. Pour avoir une idée plus large des choses. Si vous les connaissez, n'hésitez pas, effectivement, à nous envoyer les liens, leurs pseudos. Oui, s'il vous plaît. Bon, ok. Alors, est-ce qu'il y a une autre vidéo à voir? Oui. Ah, alors. Lévitation in the middle of the room. Ouh. Oh, t'as vu ça le couteau? Oui, oui. Donc là, on a la scène répétée en plus proche. Mais il vole. Mais pourquoi? En fait, ce qui m'énerve avec cette vidéo, c'est que d'un côté, elle est impressionnante. D'un autre côté, pourquoi il n'y a pas la fin de la vidéo? Il atterrit où? Le couteau, pourquoi c'est que à répétition comme ça? Je sais pas. Mais comment on fait ça? Comment on fait léviter un couteau en faisant une fake vidéo? Tu sais pas? Bah d'un côté, tu me diras, même les très vieux films, ils faisaient ça à l'époque, hein, avec les habits verts et tout, là. Oui, c'est vrai. Après... est-ce que le couteau n'a pas tout simplement été mis sur un fil très très fin? Oui, qui a été... c'est le fait en fait. C'est possible, parce qu'il bouge beaucoup de droite à gauche. Et imagine. Une canne à pêche, mais c'est ça, s'il y a une personne au monde qui fait ça, comme ça. Même. Ouais, c'est vrai. Je sais pas trop. Peut-être qu'on voit tout simplement pas le fil, hein. Vous en pensez quoi? Ouais, là franchement, dites-nous, parce qu'on est un peu perdu, je pense là-dessus. Il y a tellement de possibilités, c'est insupportable. Pour moi, c'est fake, parce que c'est. Enfin, c'est vrai? Ouais, pour moi, c'est fake. Mais... bah, moi je comprends juste pas pourquoi on n'a pas la vidéo en entière. Ouais, c'est dommage. Imagine, la personne elle a une tenue toute verte et genre dans la suite de la scène on voit un petit peu. J'ai coupé ça, tu vois. Je sais pas, tu vois. C'est peut-être pour ça que c'est pas en entier. Il y a moyen, il y a moyen. C'est possible, non? Ouais, il y a moyen. Bon, cette vidéo n'a pas beaucoup convaincu les gens parce que là on est sur du 9607 j'aime. Ok. Pourtant, visuellement, je trouve qu'elle est un peu plus impressionnante que certaines vidéos, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Mais peut-être qu'elle était faisée trop fake, justement. Ouais, ouais. Ok, on va arrêter cette vidéo là-dessus. Je pense que là, on a analysé pas mal de vidéos intéressantes. Ouais. On a eu du fake, on a eu des choses qui nous rendaient vraiment perplexes. Encore une fois, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Ouais. C'est hyper intéressant pour nous. On aime bien un petit peu communiquer avec vous, avoir vos avis. Grave. Et bien évidemment, si vous avez vous-même des expériences paranormales à nous partager, n'hésitez pas à nous les envoyer, soit par mail ou alors, surtout, le plus pratique, je trouve, c'est encore via TikTok. Yes. Vous nous taguez sur les vidéos, vous nous dites « Allez, j'aimerais bien être sur YouTube, sur votre chaîne, analyser ma vidéo. » Vous connaissez nos TikTok, moi j'en ai deux, Creepy Girl Show, Crazy Girl France et Sibyl Mysteries. Et bien sûr, peut-être que vous passerez du coup dans une prochaine vidéo YouTube, ça nous fera très 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 plaisir. Ce serait trop cool. Ouais. En attendant, je vous invite bien évidemment à aimer la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. C'est très important pour la chaîne, ça nous soutient et ça nous garantit que vous ne louperez pas les prochaines vidéos. En attendant, on vous fait de très gros bisous et on vous dit à bientôt. Bye. Bye.